Ouais, dans moins d'un mois, c'est l'open. C'est assez rapide, mettons, disons. Ça arrive. On va l'avoir d'un dent encore. Qu'est-ce que Castro puis qu'est-ce que les CrossFit Games nous réservent? Aucune idée, comme à toutes les années. Une seule affaire qu'on sait, c'est que ça va être du classique CrossFit avec probablement le twist. L'année passée, au scandale, ça avait été les dumbbells. Et là, cette année, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Mais en réalité, bien difficile à savoir. Ça reste le côté random. Mais ce qu'on sait dans le random de tout ça, c'est que ça reste des permutations éternelles des mêmes mouvements. Donc, si présentement ton thruster n'est pas on point, tes double under sont pas on point, ton power snatch en cyclage, ton clean en cyclage, puis ta gym n'est pas au point, ben moi d'avis, mon grand, il n'y a pas grand-chose que tu peux changer présentement. Par contre, tu peux déjà continuer de travailler ta précision puis ta qualité d'exécution de mouvement, ça c'est un fait. Travailler ton tempo, ta respiration, le fait de rester calme quand tu attaques les WOD, parce que c'est probablement ça qui va te donner le plus grand coup de main quand tu vas partir gaz au fond avec les cris, les encouragements de tout le monde autour. Donc, probablement un état mental à travailler présentement. Sinon, toujours un peu de cardio, c'est toujours pratique de réussir à grinder le petit 2% de plus tout le temps. Ça va être payant pour l'open. Sinon, ben, tu peux faire comme la plupart des gens, puis juste y aller avec le flow parce que ça reste un workout par semaine pendant 5 semaines. Puis tout ce que tu as fait durant ton année, ça t'a préparé à ton open. Sinon, il est pas mal trop tard pour changer quelque chose. Mais sinon, dans le meilleur des cas, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux profiter de toute la frénésie et l'ambiance de feu qui est générée par l'open année après année. Tu sais, si t'es de K-pop et t'as pas entendu parler de l'open interne, des équipes à l'interne, je t'invite fortement à poser une question à un coach. Et sinon, c'est au courant, t'es pas trop sûr parce que t'es peut-être pas assez bon. Newsflash, on n'est jamais assez bon. On a toujours des plus hautes aspirations, mais on est très bon pour se baisser le moral. Mais rappelez-vous tout le temps, guys, dans tous les sports que vous avez choisis, tout ce que vous aviez le choix pour vous en remettre en forme, vous avez choisi le sport qui contient deux disciplines olympiques et des tonnes de fillers autour. Donc, pour toi, le badminton, c'était pas assez. L'elliptique, c'était pas assez. Du gym, standard, c'était pas assez. Tu t'es dit, je vais aller faire le sport qui contient de la gymnastique puis de l'haltérophilie. Boom! Donc, en partant, quand tu passes la porte, t'es déjà way ahead de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui semble vraiment inaccessible puis super tough pour le commun des mortels. Puis toi, ben, tu vas t'amuser, tu viens jouer au CrossFit, ben relax. Donc, pas trop de panique, pas trop d'angoisse, personne. C'est juste l'open, c'est un super beau moment de l'année. Ça va te primer, ça va t'allumer, ça va te donner des objectifs pour l'année qui va suivre après. Puis entre-temps, hey, enjoy the ride. Bye, là!